bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le cadre d'activité Astronomie Rakaï Podcasting. Aujourd'hui, nous allons parler de la planète qui est plus importante. On va dire que la planète. Comme dit l'avance, le clacan est un peu sûr. Pour ne pas attraper, pour ne pas prendre un risque pour attraper COVID-19. Une corona combustion. Donc, on dit nous, on va parler de la qui est important. C'est qui est encore? C'est la planète Terre. Une planète, et c'est qui est important pour nous, parce que c'est une vie. Et faut que nous comprenions, nous avons compris la planète. Non, pas moi, c'est le docteur Rostancis, mon expert en astronomie. Co-fondateur et président de la Société haïtienne d'astronomie et un représentant de l'Union astronomique nationale dans le cadre de sensibilisation sur l'astronomie en Haïti. Suivez. La Terre, c'est une planète que tu étudies en astronomie. Voilà comment c'est ça. C'est à partir des matières qui sont dans la Terre que la vie gagne sur Terre. Intelligence, tout. Qui dit à toute technologie qu'il a pu utiliser pour aider le cosmos. Toute technologie, culture technologique, ça, c'est un de la terre même qui a matière la terre que nous préparons. C'est avec les matériaux qui sont dans la terre que nous faisons. Nous avons approché, puis boire, et même l'air qui entoure nous. Pour nous, que les hommes commencent à explorer le système solaire, nous avons servi à la connaissance que nous avons sur la Terre pour étudier notre planète. Parce que nous avons étudié la Terre, nous avons compris qui est la planète. Et puis c'est vers ça. Nous avons catalogué pour propriétés de la Terre, nous avons essayé de comprendre et bien nous avons engagé nous dans la planétologie comparative. Un système solaire même. Par exemple, bon, si on regarde dans une photo ça, on pas le système solaire à l'échelle. Nous voyons planète, 8 planètes particulièrement. Et nous voyons beaucoup devant, ça veut dire planète qui la donne la Terre. La Terre en troisième position dans le groupe ça. Ensuite, nous voyons planète géante surtout. Il y a un événement local ou bien régional qui passe sous terre. Quand on trouve dans la terre avec cyclone, il y a même un global tout, oui. Quand on changement climatique, et bien tout ça aurait de nous comprendre. Non seulement la terre planète nous, hein, mais il y a de nous comprendre tout planète qui poche tout. Chaque petit mot sur l'information, nous t'ajoutons sur ce qui la terre, avec son histoire, pour elle permettre nous comprendre plus bien. Système planétaire. Et si nous avons apprécié la grandeur de l'univers avec tout ça qui la donne, pas tout cas commencer par connaître la planète par nous, la Terre. Qu'est-ce qui est dans la Terre? Qu'est-ce qui fait la Terre? Qu'est-ce qui est dans la Terre? Princesse, tu es là avec moi aujourd'hui, explique-moi. Je sais que la Terre a le cœur. C'est bien. Le manteau et la queue. Un de la douceur gounière. Partie de la douceur qui est en bas. Ça veut dire que plus vous pouvez arriver dans une zone 12 km, vous aurez des zones à troposphère. Troposphère. Très dans le vent qui a brassé sur la surface de la Terre. De l'air en vent, la brassé comme un fluide. Dans l'atmosphère qui est plus bas. Après, tu as une troposphère ça, qui est donc plus haut dans l'atmosphère, nous jouons ça dans la stratosphère. La stratosphère là, qui est à une altitude de 50 km environ. Et bien, c'est dans une stratosphère ça, que nous jouons couche d'ozone. Mais c'est ce qu'on a parlé de l'ozone. Oui, dans la télévision, j'ai souvent entendu ce mot qui s'appelle ozone. Justement, la couche d'ozone, c'est, tu savais que la couche d'ozone protège la Terre, la couche d'ozone absorbe les rayons ultraviolets
qui sont dangereux pour la vie sur Terre. Tu s'entends ça? Oui. Justement, pour ce sont très, très utile nous, sur la Terre, parce qu'il absorbe les gens de nous, nous avons ultraviolet qui est nocif pour nous sur la Terre. C'est dans la stratosphère à tout que nous jouons à rouler l'effet de serre. L'effet de serre, là, il est fait à partir de gaz carbonique, c'est ça rouler en anglais. Greenhouse effect, hein? Effect, c'est qui permet de mettre la Terre en plus bonne température pour nous sur la Terre. Mais comme ça, tout, si on environnement effet de serre, là, ça a commencé à faire pour nous, semble-t-il, depuis la révolution industrielle, là, ça a fait que la Terre vient chaud en pile. Et par la suite, que l'idée dans l'état Vénus, qui côté que mon chaleur très énorme à cause de l'emballement effet de ciel, à cause de l'atmosphère qui est très proche. Donc, ouais, importance astronomie, planétologie comparative, là, nous que tu comprends déjà. Là, l'étude atmosphère, là, nous que tu ouais, importance de et effet que tu as gagné sur la vie, sur la Terre. Après pour ça, nous venons à toucher les mésosphères et bien plus ionosphères. Dans une altitude en haut, l'altitude d'environ 80 km, plus haut toujours, dans la partie atmosphère, ça, il y aurait les ionosphères. Et ces radiations de haute énergie à partir de particules qui sont dans le soleil là, qui à cause que l'atmosphère ça ionisé justement. Donc, les ionosphères. Et puis, toujours au-dessus net, nous gagnons ça au lieu. Magnétosphère là. Quand vous regardez sur l'image ça. Oui, c'est quoi l'image ça? Dis-nous, qui sont ouais. Moi, la terre ici. Hein? Mm-hmm. Et puis, la terre au milieu là? Mm-hmm. Oui, avec un cocon. Et puis, moi, elle semblait protéger la terre contre le vent solaire. Mais justement, vent solaire a des particules là dedans. Ces particules ça ont été entrées sur la Terre, ben problème. Et c'est grâce à cocon ça gentil qui protégeait, qui empêchait que particules plus dangereuses ça ont pas entrer sur la Terre pour ben problème. Là. Et ben c'est rôle magnétosphère là justement qui pour aider nous sur la Terre. C'est grâce à champ magnétique ça que Professeur Saut donne les détails et descriptions ça, un schéma que nous avons trouvé. Que la Terre gagne vie. Parce que les particules déchargées sans yo, t'as bay gros problème. Nous parlons de qui j'ai dans la Terre. Mais qui j'ai scientifique qui fait connaître comment en dans la Terre même. C'est grâce à l'analyse onde sismique qui est tremblement de Terre. Produit en bas surface de la Terre, que les scientifiques ont connu. On s'explique ça, ils voyagent à travers le manteau terrestre qui est dans la structure de la Terre, j'en ai dit tout à l'heure. Nous avons analysé la partie supérieure du manteau terrestre, là, tout à partir des volcans qui menaient substance dans le manteau météorologique pour nous analyser. Ça, c'est l'éruption volcanique. Dans la vidéo, ça, tout. Nous avons vu côté princesse Lakaïli, Fabienne Lakaïli, princesse Fernand Lakaïli, et nous avons dessiné un volcan pour nous et nous montrer nos structures lave-là qui a sorti, qui a tombé à des volcans. Et puis c'est l'analyse, nous avons fait l'analyse intérieure de la Terre à partir de l'intérieur de la Terre, nous avons sorti un volcan venu nous pour nous analyser. Analyse structure en la Terre. Permettre de comprendre que dans la Terre, c'est une zone qui danse en pile et les chauds en pile. Dans la Terre, il y a deux parties là-dedans. Qui s'appelle le noyau interne, son noyau, on s'appelle le noyau externe. Le noyau interne est solide, plus solide que le noyau externe. Le noyau externe est liquide et la tournée autour du noyau interne. C'est fait qu'il a de l'eau. Donc, les gens qui ont tourné autour de l'eau comme ça, ils ont créé ça ou l'effet dynamo qui a créé justement le champ magnétique que nous avons parlé de l'italien. Donc, c'est à partir d'un processus de dynamo
par les théories dynamo qui fait que qui fait le noyau qui va créer un champ magnétique pour nous sur la Terre qui protège nous en pile contre les particules qui sortent dans le vent solaire. Il y a un phénomène qui est la différenciation. Mais qui s'agit? Nous avons pas côté la tête fait commencer à former que le côté pas trop solide, plus ou moins liquide. Métal qui est plus lourd tombé en dedans, plus bas. Et métaux qui est plus léger, levé plus haut par rapport à ça qui est plus dans le noyau. Mais c'est parce que tu as une chaleur interne, la tête une chaleur propre par que l'on te recevoir à partir d'un pile bombardement météoritique et la Terre recevoir chaleur tout dans dégradation éléments radioactifs que l'on gagne en dans le tout. Surface la Terre composée d'environ 12 morceaux différents de milieux plaques tectoniques. Plaques ça ont déplacé 12 morceaux. Une par quoi d'autre. Ouais, dans l'image, la plaque tectonique sur toute la planète la Terre. Il sépare les continents, il sépare l'océan et tout. C'est ça qui la cause, ça aurait les dérives des continents. C'est dans la frontière plaque tectonique, ça y est, côté une colère avec l'autre, qui revient plus tremblant de terre, volcan, à montagne. Parce que plaque, yo, l'un contre l'autre, il entre en collision. C'est mon bon conviction dans mon top planète là, dans mon top planète là, quoi ça, qui va créer mouvement plaque. Qui donc, il y a un mouvement recyclage qu'a fait, un mouvement recyclage du wash qu'a fait. Plaque a séparé, il a rentré en grand, il a rentré en collision et il a plongé tout en grand planète là tout. Et Washo qui pour remonter et redescendre avec une bonne convection et des fois il sorti net à travers une faille, il sorti à travers un volcan. Ou quand je vois une évidence passée de mouvement plaque tectonique sans yo, dans la forme continent paraître adaptée à une clotte. Par exemple, regardez bien forme Amérique du Sud avec forme Afrique. Quand on voit tout dans l'analyse fossile, dans l'âge magnétique proche qui n'en surface la Terre. Champ magnétique terrestre la Terre, mais elle est plus loin que la planète. Nous voyons ce photo ça qui n'est pas trop différent de photo que j'ai stable tout à l'heure. Ou est que son beau soleil là, son beau soleil là, qui est dans ce contexte celui, mais sur l'autre bord, côté soleil là, pas frappé lui, il est dans extendu beaucoup plus loin. Mais, particules qui sortent du soleil, particules chargées, les rentrent dans le champ magnétique là, ils ont emprisonné, c'est vrai. Mais, pour partir dans le champ magnétique là, qui spécialisé même pour emprisonner bien sérieusement, ça relève une ceinture de vent à laine qui entoure toute la Terre. Quand on a reçu l'image, la ceinture de vent à laine est représentée par des images, une sorte de ceinture rouge qui entoure toute la planète. Là. Les particules emprisonnées dans la ceinture de vent à laine, et puis s'il est arrivé à traverser pour entrer sur la Terre, il pourra l'ioniser et l'éclairer sous plusieurs couleurs. Dans la partie atmosphère là. C'est ça nous relie au wow. Quand vous avez reçu l'image, ça. Au wow. Gain au wow. Boreal, gain au wow. Oscar, selon positionnement au nord ou bien au sud. Quand vous avez une vidéo ça, qui fait à partir de l'espace, à sauter dans l'espace, vous filmez un au wow. Qui n'a une poule la Terre particulièrement à partir de l'espace. Selon la théorie dynamo que nous avons introduit tout à l'heure, c'est à partir de rotation noyau externe sur noyau interne de la Terre qui produit champ magnétique ça,
Et ces chants aussi, ça, j'ai entendu ça. Chaque jour, il y a un lait. Le meilleur vient du bon, on est un petit peu. Et ça arrive au Marie-Route, Marie-Basse. C'est à cause de l'attraction gravitationnelle de la Lune qui fait que les mouvements s'adorent le mouvement de Marie sur Terre. La Lune agit donc sous l'hydrosphère de la Terre. Il y a un autre bagaille tout pour nous parler de l'eau qui est sous la terre. Donc l'eau qui peut être vue sous la terre. Bon, côté sa sortie. Il paraît que, selon la recherche que l'astronome a fait, de l'eau a d'origine extraterrestre. Ça veut dire qu'il y a un espace que de l'eau sortie sur la terre à partir de couverture. Tiens, expliquez-nous. Pas trop longtemps après la tête est formée, la tête est chaud en pile. Il était plus ou moins molle, il était chaud en pile. À cause de bombardements massifs météoritiques, ça y est. Et aussi à cause de radiation, à cause de rayonnement chaleur radioactif qui sortit en dedans la tête. Si tu as un petit coup de l'eau, dans l'époque, ça sur la tête, mais il t'a pas évaporé. Il t'a parti dans l'espace tout. Pourtant, ça nous remarquait. Trois cas surface de la terre couvrir à de l'eau et les gantis profondeurs tout. En pile par rapport à grosse et épaisse la terre, complètement à diamètre la terre, mais les gantis profondeurs tout. Mais pas oublier, c'est surface là, c'est pas tout structure la terre qui vient de l'eau. À son barrière, vous comprenez tout. L'un des animaux, par exemple, nous voyons que ces trois cas, nous voyons justement. Nous comprenons tout que ces trois cas surface la terre qui couvre avec de l'eau. Ça veut dire que c'est tout en donné, en dans structure la terre qui vient de l'eau. Image ça a représenté la terre, taille la terre, et les comparer li à une boule qui vient toute l'eau la terre là-dedans. Qualité de l'eau douce, qualité de l'eau la mer. Qualité de l'eau qui est dans l'atmosphère, là tout, les représentants de toutes nos petites boules que nous voyons. Et ces boules ont un diamètre seulement de 1380 km. Tout petit comparé avec le diamètre de la Terre. Et, d'expliquer ça, il y a une qualité de l'eau là-dedans. Donc, nous avons compris bien qu'on est allé à l'astronomie. Pensez que l'eau sur la Terre, c'est un comète. La majorité de l'eau, c'est la comète sur un espace qui est tombé sur la Terre dans la période de bombardement massif de la Terre. C'est ça qui fait que on dit que l'eau sur la Terre est d'origine extraterrestre. Mesdames, messieurs, nous sommes parlés sur la planète Terre. La planète qui est plus importante pour nous. Et c'est là que je l'ai vu jusqu'à présent. Nous espérons que vous compreniez de parler de sucre sur la Terre, soit si depuis un dernier noyau, ou bien juste dans la croûte là. Et nous passer dans l'atmosphère là, à partir de différentes parties dans l'atmosphère là, et dériver dans le champ magnétique là. Nous te parler un petit peu de l'histoire de la Terre, de tout le monde, parce que nous passer une période de mouvement massif, puis entre les chaleurs de la Terre, période côté que la Terre est très chaude, nous parler de tout ça. Nous remercions de ce côté là avec nous. C'était moi-même, Dr. Nancis. Et une des princesses avec nous qui de temps en temps te font parler avec nous sous description de certaines choses. Particulièrement, changer de parler de couche d'ozone, ou de comme de parler de ça à la télévision. Effectivement, pendant la carrière de la télévision, suivre le documentaire qui est très important. Ne pas oublier, pas sortir. Pourquoi ça nous a sorti? Parce qu'il y a un nouveau virus appelé COVID-19. Et quoi pour protéger quelqu'un parce que le COVID-19 ça ne peut pas forcément tuer le nouveau coronavirus, mais certaines personnes peuvent être victimes et la contagion se fait rapidement. Quelle est votre question sur le COVID-19? Est-ce qu'on va mourir pour la fin du monde? Non, c'est pas la fin du monde. On a traversé déjà beaucoup de pandémies, c'est pas la première fois. Mais cependant, cette pandémie est particulière parce que la transmission, la contagion est très grande.
on va se battre et on va réussir. En attendant, on reste à la maison et on s'instruit en astronomie. Ah, tu fais des dessins? Oui, j'ai vu tout à l'heure sa vidéo. C'était un dessin de volcan. Et les volcans, ça fait partie des structures de la planète. Et ça permet, et c'est un brassage à partir des mouvements qui se font dans le manteau. Nous avons vu le mouvement de convection. Ça ramène les choses à la surface à travers des failles où peuvent se trouver les volcans. Et les roches très chaudes, très mous, les structures rocheuses très mous, qui se trouvent dans le manteau, viennent à la surface. Bon, on devrait faire une conclusion, mais finalement, c'est pas une conclusion. Qu'est-ce que tu veux leur montrer? Mon dessin de volcan. Tu t'es vu aller chercher quoi? Qu'est-ce que tu étais chercher? Mon dessin de volcan, regardez. Justement, c'est le dessin de volcan que Princesse, on l'a montré la vidéo lorsqu'elle dessinait ça. D'accord, donc on voit maintenant la partie en rouge et la lave qui coule sur un versant du volcan. Et on voit la fumée qui sort. On voit des boules de feu. Les boules de feu là, c'est des scories, des choses sortent de l'intérieur du volcan. Mais sauf que je trouve dans ton dessin qu'il y a deux personnes à Saint-Fouille. Qu'est-ce qu'ils font là? Non, c'est pas deux personnes, ça. Ah oui, c'est un cocotier miniature et ça, c'est un touriste imprudent. Ah, c'est une personne quand même, oui, c'est un touriste imprudent. Bon, de toute façon, le volcan fait partie de la structure de la Terre. Et on a expliqué que étudier la Terre nous permet de comprendre les autres planètes. Et étudier l'autre planète, c'est tout pour comprendre la Terre. Donc, et vice versa, la Terre, c'est une des planètes de notre système solaire. La troisième. Exactement. Donc, on commence à étudier la Terre pour permettre de comprendre l'autre, mais l'autre tout. Bon. Merci beaucoup. On profite pour en faire la conclusion, une conclusion assez longue aujourd'hui. Donc, moi, c'est Dr. Rostensis, expert en astronomie, cofondateur de la Société haïtienne d'astronomie. Et je suis aussi le représentant de l'Union astronomique internationale pour la sensibilisation de l'astronomie en Haïti. Merci beaucoup. Rete la caïne. Pas sorti si il n'y a pas besoin. Et princesse. Tu es princesse, en petite fille, et tu es intéressée à la science. Et tu restes à la maison pour te protéger du nouveau coronavirus COVID-19. Merci beaucoup et à bientôt. Astronomie Lakay Podcasting. We'll be right back.